Shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Shalom Béatrice. Shalom Marie-Noël. Shalom à tous. Nous sommes à notre deuxième jour de prière. Et je crois que l'Esprit de Dieu fera encore énormément de bien. Nous te bénissons et nous te ovationnons, précieux Saint-Esprit. À toi, nous accordons toute l'attention ce soir et durant tout ce programme. Nous voulons que tu viennes prendre la place qui t'est due. Nous voulons que tu viennes prendre tout le contrôle permanent dans le nom de Jésus. Seigneur, là où nous luttions, nous nous combattions avec certaines choses. Nous avons vaincu. Nous t'appelons afin que tu nous donnes la force, que dis-je, que tu prennes le relais et nous fasses marcher dans la victoire. Nous sommes en 2023 et en cette année, nous voulons expérimenter ta puissance, ton toucher et ta particularité. Dans le nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Bienvenue encore une fois de plus. Et j'espère que vous allez très bien. Est-ce qu'il y a des amoureux de la prière ici avec moi? Est-ce que les amoureux et les amoureux de la prière sont là? Félicia, c'est content de te voir. Je te bénis. Alors ce soir, avant de prier, deux choses à dire. Mais avant, encore une fois de plus, si on entend bien que l'on me le dise, je vous invite à prendre vos calendriers. Si vous avez des calendriers, prenez-les. On va faire une prière spéciale avec les calendriers. Calendriers, si vous les avez, prenez-les. La plupart des étudiants de Dakar n'aiment pas acheter les calendriers. Si chez toi tu as un calendrier, prévois. Mais non, pour ceux qui n'en ont pas, vous allez vous référer simplement à votre téléphone dans la rubrique agenda, je crois. Et quand nous allons prier, vous irez là-bas et prier. Je sens dans mon esprit de dire une chose ici à une personne. Assurément, peut-être tu passes par certaines situations dans lesquelles tu passes par certaines situations dans lesquelles tu te bats, je veux dire ainsi, tu te bats avec certaines choses. Ça peut être un défaut, ça peut être certaines pratiques, ça peut être un péché.
Et en 2022-2023, tu désires arrêter ça. Tu désires vraiment passer à autre chose. Et tu n'as pas la force nécessaire de le faire. J'ai une parole pour toi. Et la parole que je t'adresse, c'est celle-ci. La parole que je t'adresse est celle-ci. Ne compte pas sur tes forces, mais compte sur celle de l'Esprit de Dieu. Durant cette année, les membres d'ITS, mon Dieu va vous aider à dépasser certaines, à abandonner certaines choses. Et c'est dans ce sens que je parle. Je sens dans mon esprit une personne qui veut changer certaines choses dans sa vie, mais qui n'a pas la force. Et le Dieu qui m'a permis, moi qui vous parle, de surmonter ou d'avoir le dessus sur X ou X choses, ce Dieu m'emmène vous dire ce soir qu'il vous donne la capacité de surmonter ça cette année au nom de Jésus. Il vous donne la capacité de vaincre ces choses cette année au nom de Jésus. Est-ce qu'un esprit va me dire Amen? Est-ce que un esprit va me dire Amen? Un esprit me dit Nous sommes dans une année intitulée l'année de la conquête. Et en cette année, le Saint-Esprit va non seulement nous aider, mais aussi nous équiper. L'Esprit de Dieu va non seulement nous aider, mais il va aussi nous équiper à atteindre certains sommets, à dépasser certaines limites. Je vois dans mon esprit plusieurs personnes qui, au sorti de 2023, se verront métamorphosées. Se verront métamorphosées. Se verront transformées. La deuxième chose que je veux dire ici, c'est celle-ci. J'exhorte tout un chacun à apprendre à être vrai avec Dieu. L'Esprit de Dieu me fait comprendre une chose. Il y a des personnes ici qui parfois se mentent elles-mêmes et indirectement mentent à Dieu. Il y a des moments ici, toi-même tu sais, qu'il y a certaines choses dans lesquelles tu te trouves, dont tu as besoin de l'intervention divine, mais tu te fais croire à toi-même que tu es forte ou que tu es fort et que tu peux sortir de là. L'Esprit de Dieu me fait comprendre et m'emmène te dire une chose. Aussi vrai que tu ne reconnais pas ta faiblesse et ne valorise pas la force de l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas abandonner certaines choses. Est-ce que je parle aux esprits? Il est écrit dans ma Bible, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ce qui voudrait dire, tout ce dont l'homme est capable de faire, se fait sur la base de la volonté, l'Esprit de Dieu. C'est ainsi qu'en Christ, il n'y a pas de meilleur, je le dirai ainsi, il n'y a pas de meilleure personne
n'y a pas de meilleur, il n'y a pas des personnes qui sont mieux que X ou Y personnes. Il y a simplement la grâce qui manifeste Dieu au travers de son esprit dans la vie de ceux-là qui reconnaissent qu'ils sont faibles. Ces personnes, qu'elles sont faibles. C'est le deuxième mot que je voulais dire en introduction. Je le dis parce que l'Esprit de Dieu me fait comprendre clairement qu'il désire changer la vie de quelqu'un. Pendant que je parle actuellement, ok. Est-ce que les amoureux de la prière sont là? On va prier. On rentre dans une année très prophétique ici. Quand tu demandes pardon à Dieu, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais c'est pour une personne ici. Quand tu demandes pardon à Dieu, Félicia, listen me, écoutez. Quand tu demandes pardon à Dieu, il est écrit que si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Ça voudrait dire à l'instant où nous confessons nos péchés devant Dieu, de tout cœur, oh, je sens le cœur de Dieu ici, de tout cœur, Dieu, par son esprit et par le sacrifice de Jésus-Christ, nous pardonne à l'instant. Et le reste, ce qui vient après, n'est que culpabilité. Et qui parle de la culpabilité parle également de l'accusateur derrière. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu as fait, mais mon Dieu me dit de te dire, il t'a pardonné totalement. Il t'a totalement pardonné. Ce qui vient après, les remords que tu as, tout ce que tu sens dans ton esprit, c'est l'accusateur. Il veut te faire croire que tu n'as pas encore été pardonné et c'est ce qui t'emmène à demander pardon pour la même chose plus d'une fois, plus d'une fois, plus d'une fois. Or, il t'a pardonné de plus. Est-ce que je parle à des esprits ici? Dieu vous a pardonné. Mon Dieu vous a pardonné. Et je décrète et déclare, là où il y avait un quelconque esprit d'accusation, de doute, de blocage. À l'instant où je parle, je décrète et je déclare que cet esprit maintenant vous lâche au nom de Jésus-Christ. Vous êtes libre dans le nom de Jésus. Alors, nous sommes sur la prière. J'ai deux textes. Le premier texte se trouve dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 18. Un texte que j'aime. Il est écrit. La Bible dit ce qui suit. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Jacques chapitre 5, à partir du verset 13, je le prends d'ici. Il est écrit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Et la Bible dit qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie?
qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle un ancien de l'église et que les anciens prient pour lui, virgule, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière et la foi sauvera le malade. La prière de la foi, autant pour moi, sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante, d'autres versions disent, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Maintenant, écoutez le verset 17. Il est dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit. Ah! Dis à ton voisin la prière. Dis à ton voisin la prière. Est-ce qu'on peut dire à nos voisins ce soir la prière? Dis la prière. Alors, écoutez ce que la Bible dit. Il est écrit, Élie, un homme de la même nature que nous. J'ai envie de me lever. Alors, la Bible dit, Élie, un homme de la même nature que nous. Avec instance. Quand on parle d'instance, on fait allusion à la persistance. On fait allusion, donnez-moi des synonymes. Quand on dit Élie pria avec instance, on fait au fait d'insister. Quand on parle d'instance, on parle de persistance. On parle de force. On parle de persévérance. On parle de, comment je veux dire, de détermination. Et la Bible dit, Élie, un homme de la même nature que nous, a prié avec détermination, a prié avec instance, a prié avec fougue, a prié avec force. Et sa prière, merci ma fille, a prié avec acharnement. Et la prière d'Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Il a fallu encore qu'Élie puisse prier pour que le ciel s'ouvre. Or, il y a ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle une pierre de coup. La prière d'Élie n'a pas fait que fermer le ciel, mais elle a aussi empêché la terre de produire. C'est ainsi qu'au verset 17-18, on dit là-bas que quand Élie a prié, la pluie a été relâchée et la terre s'est mise encore à produire. Je vous parle d'un homme de la même nature que vous et moi. J'ai l'impression
Je suis en Chine. Est-ce que les esprits m'entendent? Est-ce que les esprits me comprennent? Le problème avec l'Église, particulièrement l'Église de la francophonie, c'est que on néglige l'importance de la prière. J'ai l'habitude de dire que la prière est l'une des armes la plus ancienne qu'il soit. La prière a existé avant la Bible, voilà, disons-le ainsi. Pas avant la parole, mais avant la Bible. Ah, avant la Bible. Quand on lit l'histoire de la sacrificature qui a commencé à partir de 7, selon que la Bible dit, c'est quand 7 est venu qu'on commençait à invoquer l'Éternel, la prière a pris naissance à cet instant. Oh, il n'y avait pas encore de Bible, mais on avait déjà commencé à invoquer l'Éternel. Écoutez-moi bien. L'autre côté, on parle de on parle d'incantation. Donc, là où les autres, la prière est pour nous ce que les incantations sont pour les francs-maçons. Est-ce que je parle aux esprits? Est-ce que je parle aux esprits? Est-ce que je parle aux esprits? La prière est pour l'Église ce que les incantations sont pour les francs-maçons, pour les marabouts, anyway. Donc ça voudrait dire, dans le monde de la spiritualité, un marabout ou un franc-maçon, un occultiste, quand il veut opérer dans le monde spirituel, il doit naviguer avec ce qu'on appelle les incantations. Les incantations, les incantations sont au centre des pratiques mystiques occultes, néfastes. Ça voudrait dire, dans le domaine divin, la prière est aussi au centre des pratiques mystiques sacerdotales. Est-ce que je parle à des esprits ici? C'est-à-dire que tu dois comprendre, Église, que prier, ce n'est pas que parler. Prier, ce n'est pas que parler. Oh! Prier, ce n'est pas que parler. Mais quand tu ouvres ta bouche au travers de ta bouche, tu mets en action des esprits. Est-ce que les esprits m'entendent? Pour ceux qui étaient là l'année dernière, pour ceux qui étaient déjà nés à cette époque-là, on a eu un programme ici intitulé Maîtriser les causes. Durant ce programme, on a fait des prières invocatoires, on a des prières d'invocation par rapport au fait de bâtir des hôtels. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a fait ce genre de prière? On a libéré des paroles qui ont enclenché un certain mouvement spirituel. J'ai envie que vous compreniez la prière autrement. Arrêtons les histoires que prier, c'est parler avec Dieu. C'est laissez ça. Grandissons. Celui qui prie, deal avec les esprits. Celui qui prie, communique avec les esprits. Celui qui apprend à naviguer dans la prière, apprend à non seulement mouvoir son esprit, mais aussi
mouvoir des esprits. La prière donne la capacité à celui qui prie, premièrement, de dealer avec les esprits, de déplacer des esprits, d'invoquer des esprits, d'orienter les esprits. Deuxièmement, la prière donne aussi la capacité à celui qui prie de se mouvoir dans son esprit. Donc, si par les incantations, un franc-maçon peut quitter d'ici pour apparaître quelque part, nous aussi par la prière, on peut quitter d'un lieu pour un autre. Est-ce que je parle à des esprits? J'ai envie de te bouger un peu. J'ai envie de te secouer un peu pour que tu comprennes la profondeur de ce qu'on appelle la prière. Ah, on a prié. Qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi, sachant ça, l'ennemi sachant l'importance de la prière, il aveugle beaucoup des chrétiens par rapport à ce domaine. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pour la plupart des personnes ici, il est facile d'écouter un prophète qui prophétise que de soi-même passer du temps dans la prière. Remarquez, quand on dit prier, 5 minutes, tu as déjà fini tous les mots du dictionnaire que tu connais. Tout ce que tu sais faire, c'est dire « je te loue, je t'adore, je t'adore, je te loue, je te loue, je t'adore ». Or, la prière, oh my God, c'est quelque chose qui... Regardez, la Bible ne dit pas « chanter sans cesse ». La Bible ne dit pas « louer sans cesse ». La Bible dit « prier sans cesse ». Donc, la prière est une pratique mystique, spirituelle, j'aime l'expression mystique, qui te donne de naviguer. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que les esprits m'entendent? Si tu n'es pas conscient de la prière, tu ne pourras pas être conscient du pouvoir qui est en toi. Un homme qui passe du temps dans la prière, c'est un homme qui a compris que Dieu lui a donné un pouvoir qui s'exerce par la prière. La prière est le canal par lequel tu peux transmettre, changer les situations. La prière est le canal par lequel tu peux libérer un pouvoir. La prière est le canal par lequel tu peux prendre des décisions. Écoutez, Église, arrêtez de passer le temps à vous plaindre, à vous lamenter et à faire tout ce que vous devez faire. Maintenant, c'est le temps durant cette année. Nous devons être des décideurs. C'est-à-dire, c'est nous prochainement, durant cette année, c'est nous qui devons prendre des décisions dans nos familles, à savoir qui vit et qui meurt. Moi, je dis déjà, cette année, on va décider de qui vit, de qui meurt. Cette année, on va décider qui réussit, qui ne réussit pas. Le problème, le problème, c'est que vous, les chrétiens, vous êtes trop restés sur les choses des... Comment je venais dire? De la religion. Vous ne connaissez pas le pouvoir aussi grandiose qui est le vôtre. Ah, imaginez si Élie, un homme comme nous, peut prier. Par sa prière, il arrête le ciel. Maman Julie, Élie a prié. Ses filles, Félicia, Élie a prié. Le ciel s'est fermé. Dieu a exaucé sa prière. Mais en même temps, en exaucant la prière d'Élie, Dieu a privé aussi les autres d'eau. Et pourtant, hormis Élie, il y avait les prophètes. Élie n'était pas le seul prophète.
En ce temps-là, Élie n'était pas le seul prophète. Il y avait d'autres prophètes. Mais Élie a décidé, il a parlé. Et sa prière a privé et ce qui était prophète de Dieu et ce qui était... Arrêtons les histoires de sagesse, les histoires de hôtel et pasteur, les histoires... Non. Toi-même, si tu es un enfant de 12 ans, si tu es conscient, tu peux prendre des décisions. Même maman et papa vont subir ça. Combien de fois dans nos familles, les sorciers de 7 ans décident à vos places? Un fils de 7 ans, il décide, bon là, maman va faire la fausse couche cette année. On va manger l'enfant là. Et tu fais la fausse couche. Il décide, bon là, notre grande soeur là, Marie des nuits, le soir là, c'est ton petit frère de 7 ans, Marie des nuits. Ou ton neveu, Marie des nuits. Toi, tu es seulement là, oh père, oh papa, c'est ton petit là qui te dérange la nuit. Quand je parle aux gens, il n'a que 7 ans. Toi, tu as combien d'années dans les églises? Si on compte le nombre d'années que tu as dans les églises, ça te fait déjà un doctorat. Agrégé ou agréé, peut-être même plus que le doctorat. Il y a des gens dans les églises qui ont 10 ans et ils sont fiers de dire ça. Je me suis converti en 1992. Mais tu regardes la personne, elle est nulle et sans effet, informe et vide. Tu te poses la question, mais les conversions de 1992 là jusqu'aujourd'hui, c'est où on ne voit pas l'impact? Si tu as plus de 10 ans en Christ, normalement tu dois être hautement mystique. Tu dois être capable d'expliquer les gens. Après la mort, qu'est-ce qui se passe? Quand on prie, le règne de l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Tu dois être capable de prendre des thématiques dangereuses et expliquer ça aux gens. Les revenants, la sorcellerie. Ah, est-ce que je parle à des esprits? Dis avec moi, j'ai un pouvoir. Dis avec moi, j'ai un pouvoir. Dis avec moi, j'ai un pouvoir. J'ai un pouvoir. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, si Élie a prié, le ciel a été fermé. Nous, on va prier, le ciel va s'ouvrir cette année dans nos vies. Ce n'est pas une négociation. Et on ne cherche pas. Si Élie a prié, et le ciel a été ouvert, fermé ou ouvert. Nous, on va prier. Le ciel va s'ouvrir. On va prier. Et la personne qui va oser cette année toucher à un membre de ta famille, un de tes enfants, un de ton mariage, je ne sais pas quoi ou qui, permettez-moi de vous choquer. Même la femme qui va oser draguer ton mari, le mari qui va oser draguer ta femme. Les chrétiens sont trop dans l'amour de Dieu et les compassions et les choses d'avant. Est-ce qu'on peut prier? Dis à quelqu'un, j'ai un pouvoir. Donc, toutes les fois que tu pries, tu mets en évidence les esprits. Écoute. Il a été dit dans la Bible, dans le texte qu'on a lu, il est dit que la prière de la foi sauvera le malade. Je vous explique ça et après on commence à prier. Quand on dit la prière et de la foi sauvera le malade, ça veut dire celui qui prie en ayant la foi et en voyant déjà qu'après sa prière, celui pour qui il prie est guéri, cette personne sera guérie. Je vous dis, vous pouvez affecter les vies des gens. Changez vos vies par la prière. Maman Candy,
Tu peux bousculer le ciel et changer les choses par la prière. Et on est à ITS. On sait ici que la prière, ce n'est pas que parler. J'ai déjà enseigné ça plusieurs fois. Il y a plusieurs sortes de prières. On est enseigné ici. Donc, tu sais comment jauger, comment, en fonction du type des problèmes, comment naviguer. Est-ce que je parle à des esprits? Est-ce qu'on peut prier? On peut prier ici. Lève-toi. On ne prie pas ici. Je veux voir des gens debout. Levez-vous. Levez-vous. Maintenant, on va lire l'image à la place de Dieu. On va prier. Premier sujet de prière. Premier sujet de prière. Tu vas regarder un domaine de ta vie dans lequel tu aimerais exercer ou voir un changement. C'est un sujet, chacun s'examine. J'ai parlé, maintenant on va à la pratique. Donc, examine-toi. Quel est le domaine de ta vie qui bat des ailes? Quand tu le trouves, tu prends le domaine là. Tu le visualises dans ton esprit. Et tu décrètes. Je prie. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Si c'est les finances, si c'est le mariage, si c'est les enfants, peu importe le domaine, tu visualises le domaine. Ce n'est pas le prophète qui te donnera les mots. Je t'ai dit, la prière a un pouvoir. Quand tu pries, tu mets les esprits divins au service de ce pourquoi tu pries. Donc, comprends déjà que quand tu vas prier là, sache que les anges vont se déplacer à la vitesse de la lumière pour aller accomplir. Donc, tu prends le sujet là, tu pries avec force. On a dit la prière, elle prie avec instance, persistance, acharnement, détermination. Ne prie pas comme quelqu'un. Comme si on a dit en fait que c'est pas sûr. Prie comme une personne qui est décidée, qui est déchaînée. Il n'y a pas deux cas. Il n'y a qu'un seul cas, c'est l'exaucement. Je vous prends un exemple. Quand un de vos enfants ou de vos petits frères a eu à faire une bêtise, toi, quand tu le grand ou la grande ou la mère, tu le grand ou la tape, tu ne trembles pas. Si tu l'interdis quelque chose, tu ne vas pas te poser la question, est-ce qu'il va désobéir? Tu interdis, tu sais qu'il ne va pas faire. C'est la même chose. Tu te lèves dans ton autorité. Quand on dit en Christ ou en Jésus-Christ, ou quand on dit par le nom de Jésus-Christ, on fait allusion dans l'autorité, dans le nom, dans la personne de Jésus. Donc, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Dans l'autorité de Jésus-Christ et commande ces choses. Est-ce qu'on peut activer les micros? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Active ton micro et prie.
Je vais entendre les esprits prier. Chacun prie pour soi. Ne cherche pas à écouter la prière de ton voisin. Prie. Prie. Je vais entendre des esprits prier. Priez le Seigneur. Parlez. Parlez. Shabla de gado. Semena luce. Redigando dosinda da glace. Père, je prie ce matin, ce soir. Je prie ce soir. Je prie ce soir. Je prie maintenant. Je prie maintenant. Shablagi medosh. Ragada basan. Lishi gani. Lazamado. Rekende de shitara da baya. Dabara da basha da leje. Zebu jabadi. J'aime ce que j'entends. J'aime ce que j'entends. Là, ce soir, je viens décider. Ce soir, je viens décider. Ce soir, je viens décider. Je commande.
Je suis là pour te
Somebody pray the Holy Ghost to begin to say, it's a fever. It's a fever. Thank you.
I'm not going to be able to do that.
Cette fois-ci, tu vas prendre ton calendrier. Pour ceux qui ont un calendrier, prenez-le. Si vous n'avez pas de calendrier physique, allez-y dans l'agenda de votre téléphone. On va faire une prière prophétique. Chaque mois de l'année est influencé par un esprit. Nous sommes dans le mois de janvier et nous savons tous que nous avons l'impression, j'ai envie de dire pour certaines personnes, on a l'impression que le mois de janvier donne l'impression d'être le mois le plus long
de l'année. Et un phénomène que la plupart des étudiants connaissent, la janvier-os. On parle de ça en tant que blague et qu'on sort, mais c'est vrai. Janvier, le nom janvier, c'est un nom, en fait, je crois qu'il est d'origine latine ou grecque, quelque chose comme ça. C'est une divinité, quelque chose comme ça, Janus, voilà, à deux faces. Une face qui symbolise le regard vers le présent ou vers le futur, une autre vers le passé. C'est une divinité qui a deux faces. Est-ce que les esprits m'entendent? Est-ce qu'on m'entend? Fais voir. Ok. Donc, merci. C'est juste un exemple que je prends. Dit janvier, donc du bas latin januarius, en latin classique januarius, mainci, mois de Janus. Donc janvier là, ça veut dire mois de Janus. Dieu des portes. Ouais, c'est sur Google. Donc Janus là, c'est le dieu des portes. Dieu des portes, des passages et des commerçants. Donc, Janus, c'est une divinité. Ah, je crois que je vais parler. On va parler de ça cette année, sur le mystère des 12 mois de l'année. Janus est une divinité qui est une divinité des portes. Qu'on le veuille ou pas, que tu sois chrétien ou païen, que tu aies le Saint-Esprit ou pas, cet esprit influence ta vie parce que tu vis dans le mois de janvier. À moins que nous, on soit dans janvier et toi, tu es dans un autre mois qui n'existe pas. Mais tant que tu es soumis au mois janvier, cette divinité-là a de l'impact sur toi. C'est l'une des raisons pour lesquelles, remarquez, quand tu as mal commencé ton mois de janvier, toute ton année gâtée. Remarquez que la tendance que vous... que le mois de janvier vous donne. Si vous commencez le mois de janvier dans les fêtes, la boisson, le sexe, les choses comme ça, toute l'année, ce sera la même chose, que vous le vouliez ou pas. Pourquoi? Parce que les actions que vous posez dans le mois de Janus, étant donné que c'est une porte, ça ouvre et ça détermine toute votre année. On est à ITS. Que je parle à des esprits. Et chaque mois a une influence. Il y a le mois de février. Il y a le mois de mars. Mars qui vient de la planète Mars. Mars aussi qui est rattaché aussi à la guerre. Parce que Mars est la planète rouge. Dans certaines croyances et certains niveaux, on renvoie ce mois au mois de guerre. C'est la raison pour laquelle, en ce mois, on a vaincu les sorciers. Les sorciers de ma famille doivent mourir en ce mois de mars. On a avril, on a mai. Je prendrai le temps de vous expliquer l'influence spirituelle de chaque mois dans l'année, de l'année. Maintenant, tu vas prendre ton calendrier et tu vas prier personnellement en t'adressant à chaque mois de l'année. Je vous donne un exemple. Tu vas dire janvier. Janvier, moi, j'ai mon calendrier dans mon téléphone. Donc, tu vas dire janvier. En 2023, je te soumets à ça. Je décrète et déclare que durant le mois de janvier, si les autres vivront la janviose, moi, je ne vivrai pas des pertes financières. Je ne vivrai pas des manques d'argent en janvier. Parce que je parle à des esprits. Tu vas déclarer des paroles sur chaque mois.
Il y a des personnes ici, vous savez déjà que tous les mois de mars, moi étant malade, vous savez déjà que dans votre famille, chaque mois de décembre, il y a les morts. Il faut refuser ça. Si tu sais que dans ta vie, il y a des mois dans lesquels il y a des périodes où il y a des décès, où tu fais des pertes d'argent, où tu fais des pertes, machin, des bizarres. Il y a des mois où on t'annonce toujours des mauvaises nouvelles. Pendant que tu vas faire cette action prophétique-là, tu décrètes et déclares que ça change. Prends ton calendrier et prie. Parle sur ton année. Déclare des paroles sur chaque mois, de janvier à décembre 2023. Déclare. Est-ce qu'on peut prier? Prions. Prions. Je vais entendre des esprits prier. Trois minutes, prier. Je décrète et je déclare, Père, je parle sur mon année 2023. Pendant que je tiens ce calendrier, je déclare que maintenant, le 6 janvier 2023, le 31 décembre 2023, je soumets et conditionne mon année à des bonnes nouvelles, à des bonnes paroles, à des bonnes nouvelles, des bonnes paroles, des bonnes nouvelles, une atmosphère céleste. Je dégrade et déclare que maintenant, à décembre 2023, je soumets cette année à la présence divine et manifeste, une consécration exagérée à la recherche d'une autre dimension, une vie de sainteté. De maintenant au 31 décembre 2023, je décrète et déclare le succès. Je chasse la procrastination. Je chasse la paresse. Je chasse la négligence. Je chasse la pauvreté. Dans le mois de janvier, dans le mois de février, dans le mois de mars, dans le mois d'avril, dans le mois de mai, dans le mois de juin, dans le mois de juillet, dans le mois de septembre, dans le mois d'octobre, dans le mois de décembre, de novembre et de décembre, je décrète et déclare que chaque mois de l'année, la mort ne va jamais m'atteindre. Chaque mois de 2023, les décès ne seront pas mon apanage. La maladie ne sera pas mon apanage. Je décrète et déclare le succès en janvier, mes activités marchent, la croissance financière en février, mes activités marchent, la croissance financière spirituelle en mars, mes ennemis deviennent maîtres et je me bats dans tous les domaines. On a fait le succès. Dans mes finances, dans ma vie spirituelle, dans ma vie de la famille, dans ma vie à ma financière, les bonnes nouvelles, et le succès passe en juin, la même
Je décrète et déclare les entreprises je vais de gloire en gloire de succès de bonnes nouvelles bonnes nouvelles tout ce que je fais dans mes études là où c'était fermé en 2022 en 2023 je déclare ouverture dans le nom de Jésus par cette action prophétique je consacre toute mon année je consacre toute mon année je libère mon année j'ouvre le ciel j'ouvre le ciel in the name of Jesus. Je possède mai 2023. Je possède juin 2023. Je possède juin 2023. Je possède août 2023. Je possède septembre 2023. Je possède octobre 2023. Je possède novembre 2023. Je possède et mes réussis en décembre 2023. Au nom de Jésus. Regrette pas ça, Tadadia. Samba touche, palabat touche, in the name, of Jesus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, tu vas lever ton calendrier. Lève ton calendrier avec ta main droite vers le ciel. Et ainsi, je décrète et je déclare, 2023 ne sera nullement 2022. Je commande à ce que janvier soit ton mois d'excellence, de succès. Je dis, de maintenant, aujourd'hui nous sommes le 6 janvier 2023. Au 31 décembre 2023, le succès sera ton partage, la réussite sera ton partage, la conquête sera ton partage, au nom de Jésus. Je décrète et déclare, en cette année 2023, la mort ne va nullement t'atteindre, ni en janvier, ni en février, ni en mars, ni dans aucun mois de cette année. Je sécurise ton année de janvier en décembre. Pendant que je parle, je libère maintenant dans ton année 2023 la prospérité financière, la prospérité spirituelle, la prospérité relationnelle et je relâche la paix
pareil. Je maudis le dévoreur, je maudis le voleur et je m'attaque au sorcier qui te dérangeait pendant l'année. Je décrète et déclare, en cette année 2023, il ne sera pas de même que ce qui était fait en 2022. Je décrète et déclare, tu iras de prospérité en prospérité, de succès en succès, de gloire en gloire, de réalisation après réalisation. Je décrète et déclare, ta vie de sainteté en cette année sera une vie d'une hauteur dangereuse. Je prophétise et libère dans ta vie de 2023 la paix dans ton mariage, la paix maintenant dans tes affaires. Pendant que je parle, je décrète et déclare, pour ceux-là qui étaient limités à des sommes comme 50, 100 000, je prophétise qu'en 2023, tu toucheras ton premier million. Est-ce que je parle à des esprits qui sont ici? Je décrète et déclare, en 2023, tu toucheras ton premier 500 millions, ton premier 5 000 millions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et déclare, en 2023, tu sors des relations informes et vides pour des relations avec forme. En 2023, tu sors du concubinage pour le mariage. En 2023, tu sors des relations qui te limitaient pour des relations qui vont te propulser. Je décrète et déclare, 2023 est l'année où tu quittes de Abraham en Abraham, de Sarai en Sarah, au nom de Jésus. Tout ce que tu toucheras en 2023 se fera prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu donnes un amen trois fois, ces paroles s'attachent à ta vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclame de là où tu es. Acclame de là où tu es. Thank you, Holy Spirit. Oh my Jesus. Que Dieu vous bénisse. C'est aussi important dans des tels moments de toujours préparer une offrande pour sceller tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Des telles prières, des telles proclamations, on ne dit pas juste amen et puis on part. On est à ITS. Il faut toujours avoir une offrande. Après, tu dis amen et tu envoies ton offrande. Tu déposes ton offrande. C'est important. Ça fait partie des clés qu'on enseigne à ITS. Et j'espère que les esprits me comprennent. Pour ceux-là qui ont déjà leur offrande, prenez-la, je vais prier. Et attendez la prière de la fin pour vous déconnecter. Soyons civilisés, même si on est en ligne. Prends ton offrande, tu la gardes dans ta main. Je vais prier. Si elle est avec toi sur place, si elle n'est pas avec toi et que tu l'as dans le téléphone, lève ton téléphone, je vais prier. Je prie dans le nom de Jésus, Père, pour toutes les personnes qui ont prévu leur offrande maintenant, je décrète et je déclare par rapport à l'année 2023 que le ciel les écluse des cieux. Puisse leur être ouvert dans le nom de Jésus. Je commande parce que ces personnes ont obéi à Deutéronome 16:16 qui dit on ne va pas à la maison de Dieu les mains vides, que leur grenier ne manque de rien cette année. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez envoyer vos offrandes par les moyens suivants, quelle que soit votre localité. Y compris ceux qui sont en France, vous avez le RIB juste en bas. Airtel Monnaie, Orange Monnaie, Wave. Et il y a aussi Western Area pour toutes personnes qui veulent le faire directement. Que Dieu vous bénisse. Avant, j'ai
demander, est-ce que Rebecca est là? Rebecca, je l'ai demandé hier, avant qu'on ne se sépare, je vais parler sur deux ou trois personnes. Après, on va se séparer. Et on va se voir demain à 3 heures. Est-ce que je peux parler? Vous m'accordez du temps? Me permettez de parler? Ok, nous sommes arrivés à notre terme. Alors, je prendrai quelques minutes de votre temps. Ok, Rebecca n'est pas là. Luce, il faut dire à Rebecca que je la cherche. Je veux l'aider pour quelque chose. Il faut lui dire que je la cherche. Maman Félicia, quand vous avez mis « Amen » juste en commentaire, est-ce que Félicia est là? Ça va? Félicia est faillant. Ça va? D'accord. Je vais parler en code. C'est un peu sensible. Je vais parler un peu en code. Dans votre mariage, ça va? D'accord. Je crois qu'il y a certaines choses dont je ne sais pas si le sang ne va pas là, c'est pour ceux que je connais. Donc, nous avons parlé il y a peut-être l'année dernière. Je ne sais pas si c'est de ça dont il s'agit. Mais quand vous avez mis Amen, j'ai vu deux choses. Premièrement, mon esprit est parti dans votre couple. Ah. Oh my God. Je ne vais pas entrer dans les profondeurs et on va prier pour toi. C'est compliqué. Parce que c'est comme si, pendant que je parle, je suis en train d'entendre ton mari qui parle. Ton mari qui parle. J'entends comme ton mari qui est en train de parler sur certaines décisions. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à ce niveau, si le degré de complication a fait naître des paroles comme attrait au divorce ou à la séparation. Parce que j'entends ton mari qui est en train de parler et dire de telles paroles. Mais et la deuxième chose que j'ai vue, parce que le premier domaine, c'est dans ton mariage. Le deuxième domaine, c'est dans ton mariage, mais précisément par rapport à tes enfants. Mais je vois comme deux enfants. Je ne sais pas combien d'enfants tu as, ou à moins est-ce que j'ai oublié. Je vois comme si ton esprit focus sur tes enfants. Ou du moins, c'est là où l'Esprit de Dieu m'a emmené. Ah. Ok, 5 filles. D'accord. Mais je vois mon esprit focus sur 2 enfants. Mariage.
Je vous vois, votre mari et toi, effectivement, dans une phase un peu compliquée. Et je crois que je suis au courant de certaines choses. Parce que je vois dans le règne de l'esprit que ceci, c'est comme si c'est aussi lié à ce dont nous eûmes parlé déjà une fois. Et je vois ton mari qui est sérieusement fâché. Et il a pris des mesures. Le climat est... Bon, je ne sais pas si c'est moi j'ai le droit de me fâcher. Parce que tu as été têtu. Tu as vraiment été têtu. Normalement, moi aussi, je dois me fâcher. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand tu m'écris par rapport à ce sujet, je ne réponds pas. Vous savez, je parle à tout le monde. Quand vous venez voir un prophète la première fois pour un sujet précis et que le prophète ou l'homme de Dieu fait des choses et Dieu vous épargne de certaines choses, et surtout si on vous conseille, gardez-vous. Parce que s'il arrive que vous refaites encore les mêmes choses et que vous revenez voir le même prophète, surtout si c'est moi, je n'aime pas faire les choses deux fois. Je n'aime pas parler deux fois pour les mêmes choses. Donc, je vais attendre. Parce qu'il ne faudrait pas aussi oublier qu'on est conduit par l'Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu nous a orientés premièrement dans un domaine précis. Dieu a fait grâce. Et ça peut être différent la deuxième fois. Et quand vous venez auprès de nous, nous aussi, on est soumis à l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu ne nous parle pas, on ne va rien vous dire. Et Dieu, jusque-là, ne m'avait pas parlé. Bon, j'étais aussi un peu fâché. Hein? J'étais un peu fâché. Mais on va arranger ça. Il est écrit que personne ne se part ce que Dieu a uni. Personne. On va arranger ça. J'aimerais maintenant ici que tout le monde lève les mains vers le ciel et on va crier trois fois miséricorde. Est-ce qu'on peut lever les mains en faveur de Félicia? On va crier trois fois miséricorde. Est-ce qu'on peut le dire? Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Père, je prie pour Félicia et Fayon. Je prie pour son mari. Je prie pour son mari. Je prie pour son foyer. Je décrète et je déclare au nom de Jésus, Père, que la miséricorde soit son partage. Que la miséricorde soit son partage. Je sais que toi, tu es celui qui pardonne et qui efface. Je prie maintenant que tu descendes dans son couple, que tu descendes dans son foyer et que la restauration soit l'apanage au nom de Jésus, de monsieur et madame et les enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'interdis le divorce, j'interdis les séparations. Donne maintenant à ma père une nouvelle image. Donne maintenant une nouvelle image. Ah, donne maintenant une nouvelle image. Au nom de Jésus, c'est fait. Écoute-moi bien. Ton mari... Il n'y aura pas la séparation. Moi, j'ai parlé. Prophète Azaf ML, j'ai dit, il n'y a pas de séparation. Mais, il faut être patiente. Beaucoup prier, dans un sens précis. Vous me permettez de parler librement, Félicia? C'est-à-dire,
D'accord. Soyez patiente et prenez du temps. Priez. C'est comme si il y a certaines choses sur lesquelles vous devriez revenir petit à petit. Quand je dis revenir, c'est comme si vous reveniez à la, vous reveniez à la case de départ. Vous devez regagner sa confiance et ça prend du temps. Mais je suis en train de voir, parce que c'est ça en fait, c'est, il est déstabilisé, il a mal, mais ça crée comme en lui surtout le problème de manque de confiance. Mais je vois, non, je ne rentre pas en profondeur, mais je vois que ça va aller. Quelqu'un m'a dit, donc ça va aller. Donc janvier, février, mars, là, ça va aller. Ça va aller. Tu es béni au nom de Jésus. Demain, c'est samedi. Tu es béni. On va s'arrêter ici. Est-ce qu'on peut lever les mains et je vais prier. Je vais prier. Gladys, je ne sais pas si elle est là. Je te récupère demain. Je voulais descendre chez toi, mais on va s'arrêter ici. Je prie au nom de Jésus. Père, merci pour ce culte. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie également que tu gardes tout un chacun dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ramène-nous demain à 3h et demain à 21h. Au nom de Jésus, amen. Félicia, fais ce que tu as résolu de faire. Tu as résolu de bâtir des hôtels. Il faut le faire. Fais-le. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain à 3h. Et on va encore chercher Dieu. Shalom à vous.